Quelques jours après son arrivée à Sibiti, Madame Gallé Gayounou s'est tout de suite lancée dans la campagne électorale, à l'effet d'aller solliciter les suffrages des électeurs. Et pour bien faire les choses, elle a pris l'option du porte-à-porte à travers la ville de Sibiti. Un type de campagne qui permet à la candidate d'être à côté des amendants et leur véhiculer le message de solidarité agissante autour de sa noble ambition. Celle d'être élu pour défendre les intérêts de la population de Sibiti et par ricochet améliorer leurs conditions d'existence. Donc, il faut voter, il faut être quoi. Il faut monter, il faut descendre, il y a une place à Mbongi. Au cours de cette course électorale de dimanche prochain, il va sans dire que la candidate de l'espoir et du changement bénéficiera du soutien sans faille de ses pairs, sans compter celui des ressortissants de Sibiti à Brazzaville et Pointe-Noire. La victoire est au bout de l'effort, et quand on vit, il faut savoir rêver.